et fuyez. Je suis grosse. Et ben voilà. Là, il n'y a plus personne. Ça, c'est pas le courage qui les étouffe. Bonsoir. Oui, c'est bien vous que je regarde. Faut pas se mettre au premier rang. Comment vous vous appelez, monsieur? Frédéric. Frédéric. Est-ce que je suis grosse? Il a dit pas du tout, Frédéric. Je vous aime bien. C'est votre petite dame à côté, Frédéric? Oui. Madame, est-ce que quand vous grossissez, il vous le dit? Ah! Alors là, non, elle a dit. On en apprend belle, Frédéric. Non, il faut lui dire. Non, c'est très important l'honnêteté dans un couple. Non, il faut lui dire parce que sinon elle va bouffer et devenir énorme. C'est vrai, on ne s'arrête jamais. Alors, on va faire un petit exercice. D'accord, Frédéric? Après, je vous laisse tranquille, c'est trop bien. Mais la soirée va être sympa. Alors, est-ce qu'en ce moment, elle a quelques kilos à perdre? Oh, bah il a grand vite, Frédéric, il a dit d'après elle, oui, paf! Alors ça, hein, ça c'est tous les mêmes, hein, tous des goujats. Alors là... Chérie, t'as vu l'homme? Où? Pas ici. Oh, dis donc, t'es sexe toi ce soir, oh. Pas vrai les filles? Oui, ben justement, tiens, à toi. Moi, je m'installe confortablement pour tes travaux de ravalement de façade. Oh, mais chérie, ça va, je blague, hein. Humour, le maquillage. Chérie. Oui. C'est déjà prêt. Ah bon? Oh, Rémi, il y a de l'eau partout. T'as laissé le rideau de douche ouvert. Le sol est complètement trempé. Ah, le savon, il est couvert de poils. Ben t'as qu'à l'épiler. Parfois, j'ai l'impression de vivre avec Sébastien Chabal. Ah, en fait, chérie, si jamais tu cherches ta serviette, qui, je te le rappelle, est de la taille de l'Afrique, hein, elle est sur le radiateur. J'en ai plus besoin. Au sale. Tu sais où c'est? Oh, ben quand même. Excusez-moi, c'est où le sale? Là-bas? Merci, madame. C'est quand même un boulot de fille, hein. Il n'y a que les filles qui savent. Hein. L'attaquant prépare son ballon. Tout le public retient son souffle. Le moment est crucial. Si l'attaquant marque, il gagne. S'il ne marque pas, il ne gagne pas. Le public du stade retient son souffle. On entend... Petit stade. Hein. Le gardien est sur sa ligne de but. L'attaquant prépare son ballon. L'arbitre porte le sifflet à sa bouche. L'attaquant est prêt. L'arbitre siffle. L'attaquant tire et... Eh bien, j'ai le niveau pour jouer dans le coin, moi. Merci, mais vous savez, c'est juste une cravate. Hein. Les rouges ou les dorés? Une de chaque? Non mais chérie, sérieux! Lesquelles me vont le mieux? Les rouges ou les dorés? Un frisson glacial lui parcourt le corps de part en part, il est dans la merde. Je sais pas moi, celle que tu veux? Non mon chéri, on fait un effort. Les rouges, les dorés. Les rouges, les dorés. Arrête, tu me fais peur. Puis tu m'angoisses là avec tes questions. Tu les aimes pas, c'est ça? Ah bah si, je les ai payé une fortune et putain tu les détestes, voilà. Non, écoute, ne me demande pas mon avis si tu l'as aussi, tu t'en veux pas. Bah attends, ça c'est ton avis, mais une de chaque, mon amour. Moi je pense avoir brillamment résolu ton problème, toi t'es même pas un tout petit peu reconnaissant. Alors approche. J'avais déjà choisi les chaussures que j'allais porter. Là, c'est évident, là, quand même. Oh, je ne voulais pas de son avis.
Je voulais simplement avoir la confirmation que je suis bien habillée. Simple, non? Oula. Alors, petit mémo pour vous, messieurs, pour toi aussi. Quand une femme se prépare et qu'elle pose la question les rouges ou les dorés, il est trop tard. Messieurs, prenez plutôt les devants. Puis on va peut-être pas parler des créneaux, hein. Normal. Tous les moniteurs d'auto-école sont des hommes. Facile. Tiens, tu sais quoi, la différence entre les hommes et les femmes au volant, je vais te la faire. On va imaginer qu'on est au driving. Tu sais, là où on peut retirer de l'argent sans descendre de sa voiture. Ah oui, comme au States. Ouais, comme au States. Allez, je te montre. D'abord l'homme. Amener le véhicule près du distributeur. Hop. Abaisser la vitre, bzz, hop, insérer la carte et taper le code, hop, 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 taper le montant du retrait et valider, hop, 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 récupérer la carte, les billets et le reçu, refermer la vitre, bzz, hop, démarrer, quitter les lieux, hop, 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 vite fait, bien fait. Ah oui, comme tout le reste, mon amour. Vite fait, bien fait, hop, 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 hop. J'imagine amplement comment tu penses que les femmes font lorsqu'elles vont au drive-in. T'as bien, attends, je te montre. Non, attends, chérie, je vais te montrer. Mais pourquoi? Bah, je suis une femme. Ah ah. Mais bon. Alors, frein, accélérateur, accélérateur, frein. Oh putain. Ça va revenir. Amenez les véhicules jusqu'au distributeur. Reculez de la distance nécessaire pour aligner le véhicule au distributeur. Attention chérie, il y a une bite. Mais là mon amour. Ah, oulalala. Trouvez le sac à main. Videz son contenu sur le siège passager afin de localiser la carte bancaire. Insérez la carte. Ah bah oui, abaissez la vitre. Enlevez la ceinture de sécurité. Ouvrez la portière. Afin de faciliter l'accès au distributeur. Insérez la carte, tapez le code et le montant de la somme à retirer. Non mais je crois pas, vite le compte. C'est les soldes. Retirez les billets et le reçu. Là, il faut faire très 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 attention. On remet les billets dans le porte-monnaie, le reçu à la fin du carnet de chèque. Vérifier son œil de biche. Et sa plume de poule. Démarrer. Un. Reculer jusqu'au distributeur.
Parfois plus, hein, 25. Oh, t'es le frein à main. Ah, voilà. Ça t'a plu, ça, hein? Oui, surtout le... Allez, prends-le, ton volant civil nous attend.